Les gars, un nouveau communiqué vient de tomber. Cette fois-ci, venant du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce sera demain, en tout cas demain 29 mai à partir de 14h, dans la salle de conférence du ministère des Sports, une importante réunion préparatoire, selon ce communiqué, pour les prochaines confrontations des Lions indomptables face au Cap-Vert et à l'Angola, respectivement le 8 et le 11 juin prochain. Alors, le communiqué nous rappelle que, comme cela est de tradition, cette réunion à laquelle sont conviées la Fédération camerounaise de football et les administrations partenaires habituellement impliquées aura pour objet le point de préparatif au plan technique, sportif, logistique, administratif et consulaire relatif à l'organisation des deux rencontres susmentionnées. Ça a été fait aujourd'hui. Alors, quand je regarde ce communiqué, je dis bon, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, au siège de la FECAFOOT a programmé sa part de réunion, ou bien a convoqué sa part de réunion. Les membres du ministère n'ont pas pu avoir accès, du moins il y a eu échange très très tendu là-bas. Un jour après, le ministère programme sa part de réunion, invite maintenant la FECAFOOT. Ouf, les gars, je refuse de penser à ce qui peut se passer là-bas demain. Je ne sais pas, dites-moi peut-être en commentaire ce que vous pensez déjà. Est-ce que ce sera aussi encore houleux de ce côté? Est-ce que le président de la FECAFOOT va y aller ou bien il ne va pas y aller? Va-t-il aller avec son staff ou bien va-t-il aller seul? Je souhaite ainsi. Demain, c'est un nouveau jour. Finalement, c'est celui qui disait « chaque jour un nouveau dossier » qui a raison. Parce que chaque jour, décidément, un nouveau dossier. D'ici à la reste, scotché les amis et à très bientôt. Ciao.